Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Rand, le choc franco-français le plus attendu de cette année. Il aura lieu le 8 décembre au Arès et l'un d'eux est parmi nous, Mickaël Leboux qui va devoir affronter Carla Moussou. C'est vraiment une collision entre deux monuments français. Comment ça va, Michael Bah Écoute, ça va très bien et toi Alors, mauvaise question, c'est pas comment ça va, comment ça va le poids surtout Non, le poids c'est facile pour moi, C'est kg, c'est. Tu te balades ouais. Franchement, c'est très facile. J'ai l'habitude de faire les gros cuttings à ouais. 70, là c'était beaucoup plus compliqué. Mais 77, c'est quelque chose que je gère assez facilement. Alors, on va te faire une très belle part dans cette émission, euh, Michael. Mais avant cela, il y a les news avec Sébastien Love. Et salut Seb, le MMA français qui est en ébullition, encore une fois pour 2023, Hexagon MMA nous prépare une très belle fight card. Bonjour Lucie, bonjour Michael. Oui, effectivement, l'Hexagone MMA donc, qui pose ses valises au Zénith à Paris le 22 janvier, après s'être expatrié aux Émirats Arabes Unis et en Allemagne. Ils reviennent donc sur nos terres avec une édition qui se veut de très très haute qualité. Donc Laetitia Blot va remettre sa ceinture en jeu. Alors on n'a pas encore l'adversaire, mais en tout cas elle sera sur la carte. Mathieu Leto Duclos également sur la carte. Stéphanie Elopedge, Wilson Varela du Marseille Fight Club, hein, très cher à notre Jean-Michel foissard Damien Losco euh, qui va combattre en moins de 93, qui lui avant était un poids lourd. Euh, il s'était euh, rompu les, les ligaments, là il a baissé un petit peu de poids. On va voir ce que ça donne dans cette catégorie. Et Michael Aljarouge qu'on a reçu ici, qui va également combattre euh, donc, à l'Hexagone. Et Eva Dourte, on aura Romain Debienne qui a la ceinture du GFA, la ceinture de l'Atomic Fighting Championship. Euh, Va-t-il combattre pour une ceinture à l'Hexagone Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, soyez présents le 22 janvier au Zénith à Paris pour cette sixième édition de l'Hexagone MMA. – Alors Mickaël, tu as pu être un tout petit peu critique vis-à-vis des l'Hexagone MMA dernièrement. Est-ce que là, cette carte, elle arrive à te convaincre ?– Alors, ouais, il y a des très bons, <laughs> bons combattants, c'est ce que je dis. Moi, je pense à Eymar Guy qui a combattu pour la ceinture face à Gael Grimaud. C'était quand même un gros combat, pareil, avec deux figures emblématiques en France. J'ai du mal à comprendre des fois la logique de s'expatrier aux Émirats en Allemagne. J'ai discuté avec Mathieu qui m'expliquait un peu qui… Euh, qui faisait en double organisation, en co-organisation avec des organisations locales pour euh, abaisser les, les coûts en fait, de, de, de gestion. Donc je comprends un peu mieux. Euh, maintenant, je pense qu'en communication, ce n'est pas encore tout à fait au point. Et, euh, mais de toute manière, je, je suis critique dans, dans l'espoir que ça progresse, pas critique pour être critique. Donc euh, je suivrai avec attention cette carte euh, au, mois de, au mois de janvier. Et euh, on a Laetitia Blot aussi, euh, qui, tu disais, va peut-être faire un hold-up. Bah, elle peut. Hein. Euh, on ne l'attendait pas, franchement, euh, pour, être, euh, pour aller signer peut-être à l'UFC, vraiment, euh, de par son âge déjà, parce que Laetitia, elle n'est pas toute jeune. Bah, bientôt 40. Ouais. <laughs> et, euh, et ensuite, parce que euh, on, je ne pensais pas que sa reconversion, sa reconversion allait, allait porter ses fruits à, à ce niveau-là. Aujourd'hui, elle a une ceinture dans une organisation de ce qui se fait de mieux en France. Après, il n'y a pas non plus énormément d'organisations en France. Mais je pense que si on lui donne un, un adversaire solide. Euh, assez connue en Europe et, et qu'elle passe le challenge, euh, elle aura un beau palmarès de 5-1 ou 5-0 même. Avec ah ouais. un draw, c'est ça. Un draw, pardon. Euh, et ah ouais. donc du coup, bah, pourquoi pas faire un hold-up et, et signer dans une, une très grosse organisation. Exactement, Laetitia donc qui se prépare pour le Zénith. Et on a aussi le MMA GP qui frappe fort avec l'ambition de proposer l'événement de l'année. Alors là, va falloir vraiment être à Bordeaux, effectivement le 17 décembre au Parc des Expositions. Une carte XXL comme tout le monde sait, Cédric Doumbé hein, a signé, donc ça sera sa deuxième apparition euh, avec le MMA Grand Prix. Il y aura Jason Poney également, régional de l'étape. Il y aura Jacques Jorent, également bordelaise. Euh, on aura Jennifer Gotti, Title Shai, qui avait combattu donc, Cédric Doumbé. Chaban Bedra, euh, combattant effectivement qui a déjà fait euh, ses preuves de nombreuses fois euh, en France et à l'étranger. Johan Salvador, bref, et j'en passe. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de, à Bordeaux. Le parc des expositions, c'est 5000 personnes. Donc, et encore une fois, Cédric Doumbé, c'est quand même un événement de l'avoir en MMA en France. Ça sera donc euh, sa deuxième apparition euh, avec, euh, avec l'MMA euh, Grand Prix. Franchement, il, il faut venir. Euh, alors, on a le nom euh, du, euh, de l'adversaire de Cédric Doumbé. Euh, il nous vient du Sanda. C'est un 2-0. Alors, bien évidemment, on, on voudrait un, un adversaire un peu plus, euh, un peu plus bankable pour Doumbé. Mais pour le moment, il y a des règles à respecter avec la FMMAF. Voilà, je pense que Cédric devrait s'en sortir. Mais voilà, ça reste quand même un quid de cet adversaire qui nous vient du Sanda. On verra bien. En tout cas, venez le 17 décembre à Bordeaux. Infatigable lui aussi, il revient sur ses terres. Mickaël Lebou sera au ARS et c'est notre invité Spotlight. Alors Michael, ce combat on l'a attendu, le 8 décembre tu seras donc dans cette cage face à Carla Moussou, vous vous connaissez bien puisque vous avez croisé le fer à l'entraînement, vous étiez partenaire au MMA Factory, aujourd'hui vous avez quitté euh, cette écurie euh, pour des raisons diverses et variées que tu nous expliqueras peut-être tout à l'heure, euh, quelle est la nature de votre relation Parce que vous étiez partenaire, vous vous entendiez bien, vous vous entendiez pas, quelle était la nature de votre relation là-bas Bon, on était... Non, non, c'était une entente cordiale, il n'y avait jamais eu de, de, de... Une, je dirais, une émulation. Il y, a, il y a eu quelque chose entre lui et moi de la rivalité, ça c'est clair. Euh, moi, j'ai signé à l'UFC, on le sait, ça a toujours été un rêve pour Karl d'aller à l'UFC. Donc je pense qu'à un moment donné, euh, dans sa tête, il, il y avait peut-être quelque chose du... au-delà de la rivalité. Après, moi, j'y étais pour rien, j'ai fait mon parcours et, et j'ai avancé tout droit. Donc on a été des sparring partners, on a, on a croisé le fer à l'entraînement, mais pas tant que ça au final. Ah, c'est vrai? Non, pas tant que ça. Et, euh, et après, du, du point de vue, oui, c'est pas un ami, ça n'a jamais été un ami, on n'a jamais partagé des, des moments en dehors de l'entraînement. Mais ça a toujours été un quelqu'un de beaucoup de respect de... en tout cas sympa, entre respectueux exactement. A, ça a toujours a été très cordial. Il n'y a non. pas une animosité, on il n'y a pas. On peut se poser de... la question parce qu'en fait, de temps en temps, tu prends sa défense sur les réseaux sociaux. On, on t'a vu. Euh, on t'a aussi vu le taquiner énormément. Euh, voilà. Donc la taquinerie, c'est pour faire monter un petit peu euh, la sauce. Euh, de... C'est même pas pour faire monter la sauce non. parce qu'en réalité, je pense que le, le combat pour ceux qui sont vraiment fans de, de MMA euh, et le fait de nous mettre. L'un face à l'autre pour se suivi un peu nos parcours est euh, suffisant pour vendre le combat. voilà c est, c est, Clairement, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà dans le trash talking dur ou autre pour, pour vendre ce combat. C'est évident. À vous deux, enfin à eux deux, Carl et Michael, vous avez 76 combats à vous deux. Il y a la jeune génération euh, qui vous connaît. Euh, Carl, il a commencé en 2006 toi en 2011. Euh, on, on, ils ont grandi avec les lebou et les Amoussou. Et là, de vous voir réunis pour un combat, la jeune génération et la génération actuelle, pour moi, c'est le combat de l'année. Et ça n'a rien à... On n'a pas à envier un gros main event de l'UFC. Là, on a un combat franco-français qu'on attend depuis des années avec deux personnalités incroyables du MMA. De deux mecs vraiment qui sont très gentils en plus, très sympas humainement euh, et sportivement. Moi, j'ai trois. <laughs> à, alors justement, hâte quand on a roulé sa bosse comme vous l'avez fait tous les deux au niveau international, toi tu es passé par le M1, par l'UFC. Karl, euh, il a été champion du tournoi du Bellator. Bref, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse partout aussi. Quand on a ce niveau-là, euh, ça se joue au niveau tactique. Vous savez à quoi vous attendre l'un chez l'autre. Là, tu as déjà un plan A, un plan B, un plan C. Bah, Au-delà du plan A, du plan B, du plan C, c'est-à-dire qu'on sait plus ou moins ce que, ce que Karl fait, on, on connaît son explosivité, on est respectueux de ses qualités de combattant. Après, c'est ce que je dis toujours, il faut avant tout croire en soi aussi. Et moi, j'ai mes qualités, et, euh, et plutôt que d'anticiper euh, euh, ce qu'il va vouloir faire, euh, c'est plutôt moi mener la barque et aller là où j'ai envie de faire. Effectivement, il y aura peut-être euh, un, une partie tactique dans le combat qu'il faudra savoir adapter. Mais, euh, mais j'ai confiance en mon instinct, j'ai confiance en mes compétences et, euh, et je pense que je vais réussir à mener le combat comme je l'entends. Pourquoi tu l'as voulu ce combat Parce que c'est toi qui as un petit peu initié tout ça. Hein Exactement, non, non, je suis à l'initiative et, euh, et je, je, je suis content que, euh, que ça, ait, ça ait porté ses fruits. Euh, parce qu'aujourd'hui on est une belle affiche, parce qu'aujourd'hui c'est ce que je voulais et parce que, euh, parce que je trouve que... Euh, ce qui peut-être, mon dernier combat, euh, est une belle carte. Ah, c'est euh, un dernier euh, combat potentiellement Ouais, vraiment. C'est vrai Ouais, 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 je, je l'ai toujours dit. Je, je voulais finir sur une belle affiche, une belle salle en France. Euh, Karl, ce n'est pas, pas un pêcheur. Euh, <laughs> donc, du coup, ça, ça va être un combat, je pense, que beaucoup de Français attendent. Et moi, j'avais à cœur de montrer que. Euh, que je suis meilleur que lui, donc euh, c'est l'idée, c'est aussi de, de, de mettre une réponse à une interrogation que certains peuvent encore se poser. Alors, tu as, as proposé le combat après son dernier combat à, à Karl euh, Pour être honnête, non, j'avais déjà, j'en euh, avais déjà parlé avec euh, Guillaume Pelletier à, à l'époque, on, on, on en parlait, ensuite, il a eu son combat contre Abdul, donc après je suis respectueux, j'accepte, euh, bah, il prend un gros challenge en plus, c'est oui, oui. un gros défi, donc euh, pas facile pour lui. Euh, bah derrière, j'en ai profité euh, suite à, à sa défaite euh, ou même victoire, j'en ai, ai profité pour, euh, pour le relancer. Euh, Là-dessus, ils ont pris un peu de temps normal après une défaite, il faut toujours un peu de temps pour, euh, bah, pour se remettre en route, pour se remettre les idées au clair et, euh, et le combat s'est validé comme ça. Et le Hares a, euh, a été plus que réceptif, puisqu'ils ont ouais. organisé ça assez rapidement aussi. Donc il n'y a pas d'opportunisme de ta part de le prendre au moment où il est un peu plus fragilisé Toi, tu avais non. déjà initié ça avant Après fragilisé, euh, lui comme moi, on a déjà connu des, des revers sûr. dans notre carrière. Mmh. Euh, donc forcément, bah, là, je ne sais pas comment il va gérer, mais j'ai confiance pour lui. Enfin, que ça sera la meilleure. Franchement, j'espère que ça sera la meilleure version de Karl euh, le 8 décembre. Il y a des chances voilà, il voilà, mais... y a aussi ce côté où il t'affronte, il sait que tu vas, être, tu vas être préparé. Je pense que Karl va vraiment avoir faim, tout ouais. comme toi aussi t'as faim. Un... Vous vous prenez vraiment au sérieux tous les deux, et ça c'est intéressant. Bah, moi ce je, je respecte, mmh. le, le, j'ai respecté tous les combattants. J'ai affronté des combattants de très 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 haut niveau, je les ai toujours respectés. J'ai affronté des combattants de moins haut niveau, je les ai toujours respectés. Euh, là j'ai eu le temps de faire une grosse préparation. Donc, euh non, j'espère sincèrement que j'aurai la meilleure version de Karl. Comme ça, quand, quand on me lèvera la main à la fin du combat, on saura que c'est moi qui a été meilleur euh, et que ce pas parce qu'on a un Karl affaibli ou un Karl qui n'était pas dans son assiette ou, ou autre. Donc, j'espère vraiment qu'on fera un, un beau combat. Et puis, euh, les combats qu'on retient en général, c'est quand même des combats qui sont disputés avant tout. Ce n'est pas un combat sur lequel un combattant marche sur l'autre. Ça ne marche pas, ça. Ce ouais, pas les sont combats en... qu'on retient. Il ouais, être deux pour faire un bon combat. Exactement. Alors, toi, tu es passé par euh, l'UFC. À aucun moment, tu t'es dit un peu comme Taylor Lapillus que tu avais envie d'essayer de, de renquiller, de te faire de nouveau repérer. Non, ça t'a jamais euh, traversé l'esprit Alors, j'ai eu un parcours déjà plus complexe que, euh, que celui de, de Taylor. C'est-à-dire que j'ai pas eu les, les mêmes victoires que lui. Euh, donc, du coup, lui, il a, il a quand même eu un beau parcours. Après l'UFC, il a signé deux euh, ceintures au GMC, une ceinture au TKO, il a une ceinture au Ares. Il avait toutes les données pour pouvoir. Euh, Prétendre inscrire. Un signe à, à l'UFC. Son parcours à l'UFC a été aussi plus brillant que le mien parce qu'il a quand même trois victoires, une seule défaite à la décision. Euh, moi quand j'étais à l'UFC, euh, peut-être que c'était un peu jeune. Ça faisait à peine 5 ans que je faisais du MMA. Il faut, faut s'en rendre compte quand même. Euh, on a été avec Taylor, euh, à l'époque, personne ne parlait de signer à l'UFC en France. Ça n'existait pas. C'était tabou hein. chez les combattants. C'était un exploit à l'époque. Hein. Mais ce n'est même pas un exploit, on ne l'envisageait pas. Et on a ouvert cette porte-là, et j'en suis content qu'aujourd'hui des combattants affirment, et elle la prétention de dire je vais signer à l'UFC, mmh. moi, ça me fait plaisir. Et voilà. Et nous, on a été cette génération, on a été à l'UFC peut-être trop tôt, peut-être qu'on avait plus les codes, peut-être qu'on a essuyé des plâtres, et pour mieux préparer... Euh, le futur de, 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 de le ceux qui nous ont suivis est tant mieux. Et moi, après derrière, j'ai évolué dans des très grosses organisations. J'ai fait la ceinture du Bama, j'ai affronté des anciens UFC et j'ai eu un parcours plus difficile où j'ai enchaîné des victoires, des défaites. Et donc effectivement, l'UFC, naturellement, non, j'y ai plus pensé parce mm. que euh, je me suis rendu compte que le niveau d'adversité déjà dans les grosses organisations comme le M1, etc était déjà super élevé. Merci. Et à un moment donné, euh, il y a les jeunes qui poussent, et je les vois, il y a des talents, et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi donner, euh, savoir donner la place aux autres. Alors justement, je pense que Karl, il a été un petit peu dans ce cheminement-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a disparu de la scène internationale du MMA, il est revenu avec des ambitions très fortes, et peut-être même de revenir à l'UFC. Finalement, avec Abdul, ça a été un peu remis en question. Faire le deuil de son rêve à l'UFC, comment on fait en fait Parce que c'est dur de faire le deuil d'un rêve. Je ne peux pas te dire moi ça, j'ai accompli un rêve qui n'était pas un rêve pour moi. En fait, je me rends compte que... Euh, <laughs> ouais, c'est une vision différente, c'est vrai, et puis c'est humble en plus je trouve, c'est modeste. Et ça permet effectivement aussi d'avoir du recul. Non, et puis chacun a ses rêves, droit, ouais, mais il y a plein de chanteurs, d'acteurs qui oui. se retrouvent sur scène. C'est vrai que Mickaël par, euh, la, le, fait partie comte, de cette, euh, cette ancienne génération. Où euh, je me souviens, euh, moi je te expliquais, tu étais invaincu, hein, si je ne dis pas de ouais, bêtises, 100% ouais. et contender. Invaincu. Moi je t'ai commenté au, au M1, tu as, as eu cette progression incroyable. Moi quand on m'a dit, ah Michael Lebou, il signe à l'UFC, c'était, c'est génial. Mais il vient du contender, il euh, vient du 100% fight. Mais tu as ce recul là-dessus, que n'ont pas beaucoup de combattants. Oui, du coup, vous avez du deux profils coup... assez différents avec un Oui, complètement. On, on a... Après, il y a aussi un, un souci qui se pose, c'est qu'aujourd'hui les gens rêvent UFC avant de rêver performance. Oui. Moi j'ai du mal à comprendre comment un combattant, il peut rêver de l'UFC en se disant euh, qu'il ne rêve pas de performance. C'est-à-dire que c'est comme si, genre, je suis un attaquant, je joue en N3, je marque 30 buts et que je dis non, je préfère continuer à jouer en N3 et un jour espérer jouer euh, attaquant au PSG. Ben non, monde de ligue et mmh. continuer à marquer des buts. Et les gens, ils veulent plus prendre de risques et ils rêvent de UFC sans rêver de performance. Donc c'est Ouais. Avancez pas à pas à la a... limite Non t'as as, as 35 balais Est-ce que tu le dis pas maintenant avec du recul Mais si euh, t'avais 22 ans à l'époque actuelle Est-ce que tu aurais le même discours Bah écoute moi j'ai affronté comme ouais. quand, quand tu regardes le palmarès Alors effectivement on avait moins la possibilité De construire nos carrières à l'époque mais quand tu regardes mon parcours, j'ai affronté des gars qui étaient invaincus. À l'époque, David Gallon, c'était une terreur en France. Quand ils m'ont proposé au HAC, je l'avais affronté. J'ai été en Pologne récupéré une ceinture. J'ai fait une défense de ceinture ah, en vrai. Pologne. J'ai pris, je crois, quatre gars invaincus avant de signer à l'UFC. Et, et je l'ai fait dans des cas à 77. Il n'y avait, avait même pas ces histoires de cutting. Tout ça, on ne connaît pas. On découvrait. Le sport se professionnalisait, en fait. On a vraiment été la transition d'un sport qui était pratiqué avec sérieux mais qui n'étaient pas encore euh, sur un modèle pro, c'était un peu comme les rugbyman à l'époque euh, qui jouaient un très bon niveau de rugby, mais qui n'étaient pas professionnels. Et là, on a vu l'évolution des corps entre le rugby amateur et le, le rugby aujourd'hui professionnel. Ah oui, bah, on, on le voit au niveau athlétique. Mais vous étiez des explorateurs euh, quelque part. Oui, je pense, oui. Alors, cette partie de ta vie, que tu ce bel accomplissement d'entrer à l'UFC, tu l'as fait sous la coupe de Fernand Lopez ou même à Factory. Pour quelle raison tu as quitté cette écurie Parce que là, c'est drôle, finalement, vous avez tous les deux quitté cette écurie. Vous revenez à Arès, qui est le, le, le terrain de jeu, justement, de Fernand Lopez. Euh, vous revenez un petit peu à la maison. Ouais, on revient à la maison. Bah moi, j'ai commencé à la FFA avec Mathieu Nicourt. Euh, Lopez était le second. Ensuite, le, euh, Fernand a ouvert le CrossFight. Euh, à l'époque, je m'entraînais au CrossFight et au, à la FFA. Et ensuite, à temps plein, au CrossFight qui est devenu le MMA Factory. Euh, j'ai accompli de belles choses au MMA Factory euh, avec, euh, avec Fernand Lopez j'ai combattu on a, on a gagné on a signé à l'UFC c'est quand même on a marqué l'histoire en quelque sorte euh, donc je, vais pas, je, je ne cracherai jamais sur ça et j'en suis reconnaissant de ce que le MMA Factory m'a apporté et, euh, et de ce que j'ai pu accomplir avec, euh, avec Fernand Lopez et derrière il est arrivé un moment ou un stade dans ma carrière où je sentais que euh, je n'étais pas forcément à l'aise pas épanoui dans la salle et je lui ai dit euh, tel quel je lui ai dit écoute je on a accompli de belles choses et je préfère partir maintenant que entacher les souvenirs qu'on a, qu a pu avoir. il a respecté mon choix et derrière j'ai euh, eu un second souffle avec kobe fight et, euh, et même j'ai euh, je me suis rendu compte que j'ai progressé j'ai fait de la vraie enfin j'ai fait une grosse préparation physique chose que je ne faisais pas avant et j'ai performé au m1 qui Bizarrement, sont mes meilleurs souvenirs. Encore mieux que ceux de l'UFC. J'ai adoré le M1. Super organisé. Donc ça t'a responsabilisé de, de reprendre un peu d'indépendance finalement. Aujourd'hui, on peut dire que t'es un électron libre. Euh, justement, comment ça s'organise Donc, autour de toi, comment tu manages ta carrière Qui est ton entraîneur Parce que là, du coup, on ne sait pas trop. <laughs> euh, là, en fais en fais fait, c'est ça. C'est que si j'ai 20 ans, c'est impossible de faire ce que je fais. Mmh. Sauf que le fait est que j'ai l'étiquette UFC, euh, j'ai une étiquette euh, donc du coup qui fait que je suis un combattant qu'on vient rechercher, pas forcément pour les bonnes raisons. Hein, parfois, mmh. c'est des bourbiers hein, qu'on ouais, nous propose. Sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Briller on, les autres, en on sait aussi ouais. que je fais toujours des combats de qualité. Donc du coup, j'ai pas forcément besoin de manager et surtout, comme tu le dis, j'ai 35 ans, je suis plus proche de la fin de carrière qu'un début de carrière. Donc j'ai pas besoin d'aller affronter huit pêcheurs pour espérer signer dans une grosse organisation. Non, un truc avec les pêcheurs, quand même. <laughs> non, mais... <laughs> parce que c'est à la mode d'affronter les pêcheurs. <laughs> mais euh, et il suffit de regarder certaines cartes. Euh, ah, j'ai pas envie de critiquer les cartes, mais <laughs> en, en une carte, j'arrive à te dire qui va gagner, tu vois. <laughs> mais on peut parier, on peut prendre des paris. Et, et du coup. Euh... Euh, je n'ai pas, pas besoin d'être euh, manager. Après, on a toujours besoin euh, du management. Moi, je l'entends au sens noble du, du terme. Ça va être celui qui, non pas se, se dit, ouais, tiens, tu vas combattre là. Mais aujourd'hui, qui est vraiment manager Qui va trouver les sponsors Combien de combattants réussissent à vivre du MMA Combien de combattants ont des mensuels par mois, euh, tant de sponsors, etc. C'est très difficile. Et c'est ça du management. Le management, c'est facile de dire, je manage, euh, va combattre là, va combattre là, va combattre là. Non, il y a aussi les, euh, tout ce qui est derrière des choix de carrière, des, des, des sponsors, etc. Et, et ça, il y en a beaucoup moins déjà qui sont capables de le faire. Donc euh, moi, aujourd'hui, je suis loin de tout ça parce que je pas à, à continuer ma carrière des années. Et donc, ouais, je suis en électron libre. Et de par mon réseau, de par mon expérience, c'est très facile pour moi d'avoir des sparrings de qualité, euh, d'aller dans des salles. Je suis très bien accueilli à la Hatch Academy, euh, quand en je vais au sol à ça, la MK Team, ouais, j'ai plutôt une, une bonne réputation et tout le monde m'ouvre plutôt en, en grand les portes et, euh, et du coup j'ai aussi le respect de, de, de mes pères. Euh, et du coup euh, tous les combattants bah, sont prêts à me donner un coup de pouce etc. J'ai Anthony Jisida par exemple qui euh, ouais. je vais m'entraîner avec lui euh, un peu pour la lutte avec Alexis Fontes voilà j'ai toujours des gars qui sont qui sont prêts à à bouger et se donner pour moi, et ça fait plaisir. C'est une forme de reconnaissance. Ouais, donc là, tu n'as pas, un, pas une team particulière. Là. Tu, vas, tu vas représenter quelle team ton... Si, Tu t'entraînes beaucoup je, chez Hatch. C'est Team Boum mais je m'entraîne beaucoup ah, chez Hatch. Je me suis entraîné beaucoup à la MK Team. J'ai fait ma préparation physique avec Sébastien Charter, un ouais, très bon préparateur Qui était chez Obi physique, Fight avant Qui était ouais. chez Hobby Fight. Et ensuite, j'ai mon noyau dur. Ouais. Euh, ouais. David Beer, qui est, euh, ouais. qui, qui, est, qui est vraiment, en plus d'être un head coach, un formidable combattant. Euh, et ensuite, j'ai mon noyau dur euh, méga sûr. Euh, j'ai Tahar, Kevin Fall. Là, la dernière fois, je tournais avec Teddy Violet. Il y a Damien Lapillus qui est venu hier me donner un coup de main. J'ai vraiment un, un, quelque chose autour de moi. Je sens un engouement. Et c'est ce qui me porte aussi quelque part. Mais on retiendra quand même Tim Lebou avant tout. C'est ça que tu mets en avant. Toi, tu es l'entrepreneur qui recrute ses ressources humaines. <laughs> bah, ouais, on peut dire ça. En tout cas, aujourd'hui, je suis à. Je... Alors, je le conseille a personne de le faire parce que c'est énergivore hein, d'organiser tout ça mm. autour de soi. Et, et je pense que c'est dur d'impulser cet élan. Mais mm. effectivement, aujourd'hui, j'en suis à un stade de ma carrière où, euh, ouais, c'est Tim Lebou. Je, je mm. me fais plaisir. Mm. Moi, je suis là pour me faire plaisir. C'est ton dernier combat, c'est sûr. Tu n'as pas signé plusieurs combats à reste mm. Non, j'ai signé le un combat. Après, dire que c'est le dernier, c'est toujours on... pas. Pareil, on pourquoi, dit tout le temps que c'est faire... dernier. Non, mais pourquoi <laughs> fermer des portes oui. pas... Après, on dit Ouais, mais t'as dit ça. Ce que je me suis interdit de oui. faire, c'est d'aller chercher la haute performance, le très très haut niveau. C'est-à-dire, et c'est ce que j'avais dit après un combat à Abu Dhabi, euh, sanctionné d'une défaite en plus à la décision j'avais dit, écoute, c'est la fin. Pour moi, le, le très très haut niveau, j'irai plus. Maintenant que le MMA est légalisé en France, je ne m'interdis pas de faire des belles scènes en France. Par contre, ce que je m'interdis de faire, c'est d'aller chercher des, des gars, pour pas dire pêcheurs, des gars qui sont mauvais. Ouais. Et je veux des combats où on se dit, ah ouais, il, il est culotté, quoi. Enfin, il va chercher des, mmh. des bons gars. Ouais, c'est le cas avec Karl, là. Karl, bah, ouais, ouais, ouais. Voilà, Karl, pour moi, euh, c'est pas la haute, haute performance non plus actuellement. Il faut, faut dire aussi ce qu'il y Il n'est pas classé dans le top 100 mondial. Mais ça va être un combat équilibré entre lui et moi. Et, euh, et même si je sais un peu le dénouement, je ne vais pas vous spoiler. <rire> 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 on on euh... ne fait pas ça. <laughs> – Alors pour conclure, on aimerait savoir, euh, parce que là tu dis que c'est peut-être ton dernier combat, en réalité c'est très dur d'arrêter, on le sait tous les deux, moi-même j'ai dit que j'allais euh, peut-être faire un bébé après mon prochain combat, <laughs> je suis encore là malheureusement. <laughs> – On peut en parler de ton prochain combat, je peux balancer… – euh, Il y a un une combat. date, il y a une date, mais Et... un peu d'incertitude. Bon, on en parlera plus tard, euh, ce sera peut-être ton dernier combat ou pas, on n'en sait rien, aujourd'hui qu'est-ce qui te pousse à combattre Parce que tu as eu l'UFC, tu as connu ce qui se fait de mieux, qu'est-ce qui te pousse à combattre mais c'est ce que je dis, c'est qu'avant tout, moi, c'est pas l'UFC qui me motive et, et c'est ce qui devrait… Euh, D'ailleurs, je pense c'est ce pas un, une motivation. Accomplir son rêve, c'est quoi C'est d'être le meilleur au monde. Aujourd'hui, les gens rêvent du UFC parce que c'est là où on a les meilleurs au monde. Donc, je pense que c'est la performance qui, qui au final, euh, traduit la volonté d'aller à l'UFC. Et moi aujourd'hui, voilà, c'est la performance, c'est le kiff, c'est le kif. de me ce dire, besoin montre, de... Euh, ouais, montre que tu es le meilleur. Bah, <laughs> ça, ça joue forcément. Bien sûr. Non, mais oui. après, il ne faut bien pas sûr. se mentir. Bah, bien quand, sûr. Quand tu vas t'entraîner, es, tu souffres, ah, oui. c'est du temps, c'est un du sacrifice, c'est un énorme. investissement. Ah, oui. Donc à un moment donné, effectivement, si tu n'es pas payé à la hauteur de ce que tu estimes, c'est aussi une manière de dire, voilà, moi je pense valoir telle valeur. Et de ne pas se brader. Et je pense que ça aussi, les combattants doivent l'avoir en tête. On est une, une sorte de denrée périssable en plus dans le sport de combat, il faut faire attention, euh, qui est assujetti à nos performances. Et donc quand vous sentez que vous n'êtes dans, dans, euh, pas correctement payé, il faut refuser les combats, Bien sûr. Euh, Alors justement, vu que tu te gères toi-même, tu arrives à ne pas te brader, parce que souvent c'est aussi l'intérêt d'avoir quelqu'un qui te représente, de pouvoir qu'il puisse négocier pour toi tes intérêts, parce que souvent... On, non, moi en tout cas, je suis nul pour négocier mes intérêts. <laughs> donc euh, alors, me... toi, tu arrives à, à gérer cet aspect-là bah, en fait, ce que j'aurais pu toucher plus avec un manager, ça je ne le saurais pas, parce que, euh, bah, parce que je ne suis pas manager euh, actuellement. Mais par contre, euh, non, j'estime je, que je suis payé correctement à hauteur de, du, du, ah, de juste la valeur. prestation que je vais faire. Oui, exactement. Alors, on va conclure euh, avec euh, le Mika and Show, c'est ça AB Show. Donc, ça, c'est un nouveau média que tu as lancé avec euh, Aboubakar Batili. C'est même AB, euh, de base, c'est la, la chaîne de AB, AB Show. Ouais. Et euh, mais ça et fonctionne bien fait, votre voilà, duo. Et on a fait la semaine, euh, toutes les semaines, on fait le Mika Le débrief. Hein. Et ça fonctionne bien Vous avez vous avez réussi à le monétiser Vous avez une bonne dynamique Vous avez une bonne planification Enfin moi j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Bah, toutes les semaines, on vient sur l'actualité du MMA, on essaye de le faire sans langue de bois. Euh, on a des Croustis, Bon, maintenant on se fait doubler sur les Croustis, mais, euh... mais avant c'était un peu notre créneau. Est-ce qu'on peut citer le nom par que ouais, la, la, la transpiration Ils sont assez euh, chauds. Bah, ils... En fait, c'est que nous, comme, comme on fait les, on les a les croustiers en temps et en heure. Le truc, c'est que comme on fait une vidéo et ouais. on l'a fait le dimanche, et par rapport à la date d'enregistrement. Si sort le mercredi, bah, forcément on sera en retard. Ils sont Après... assez rapides, on peut le dire. Ouais, ils sont rapides, non ils, sont, ils sont réactifs. Ils sont et et aujourd'hui, ils ont une grosse communauté qui leur apporte beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc effectivement, ils sont, c'est difficile. Mais, euh, mais non, nous on est, on est sur notre créneau, ça reste un truc euh, bonne ambiance, on dit les choses sans langue de bois, mais on n'est pas là pour blesser les gens, on n'est pas là non plus pour faire la police et on n'est pas là pour régler des comptes. Euh, on le fait dans la bonne humeur, je trouve qu'on a, on a une communauté sympa. Euh, on a la chance d'être dans le milieu, donc c'est très facile pour nous euh, de, de, de pouvoir avoir accédé aux combattants, de pouvoir ah oui, les oui. inviter sur le, sur le podcast. Euh, et tu te ouais. lances dans la création de contenu, donc est-ce qu'il y a des problématiques auxquelles tu n'étais pas confronté avant et que tu découvres justement Ah ben, bah si, moi j'ai un grand respect à A.B. parce que c'est lui qui fait le montage et tout. Moi j'avais essayé de faire une chaîne, euh, on avait fait le Manifight, ensuite la Frappe, on s'est rendu compte que c'était hyper énergivore. Euh, et du coup c'est A.B. Qui, qui fait vraiment toute la partie logistique, gros respect à lui. Et moi je m'occupe juste de faire les enregistrements, etc., mais euh, gros respect à lui parce que je, je peux vous assurer qu'on ne se rend pas compte, mais c'est du temps. C'est énormément, énormément, énormément de temps. La création de contenu, on ne se rend pas compte. Ceux qui disent des les influenceurs gagnent de l'argent facilement, non, 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 pas du non, tout. C'est énormément du, de création du, de contenu. Ouais, ouais. Alors, le Hap Show euh, à suivre, le AB Show, Mika et AB Show est à suivre sur euh, YouTube. Euh, donc, euh, la chaîne, c'est. Mika bah, AB Show, show, show euh, ouais. C'est The AB Show sur YouTube, la chaîne. Et euh, tous les lundis 18h, vous avez euh, le, le podcast euh, qui sort. Ouais. Et euh, en plus, je crois qu'il est disponible désormais sur euh, certaines plateformes comme euh, Spotify, tout ça. Bah, – N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. De notre côté également, eh bien, on suit euh, de très près l'actualité du MMA. Regardez le calendrier, il est encore bien chargé. Le 10 décembre aura lieu l'European Beatdown à Mons en Belgique. C'est le carrefour européen du MMA. Le 8 décembre, Michael lebou versus Carla Moussou. C'est clairement le choc franco-français de cette fin d'année. Le 17 décembre, au Brave, Axel Sola retrouvera Issa Issa sur sa route après l'avoir rencontré en finale européenne de l'IMAF. Gros choc en perspective et belle revanche. Et enfin, le dernier rendez-vous de l'année pour le MMA français, histoire de clôturer cette saison complètement folle en beauté, eh bien c'est le MMA Grand Prix avec le retour très attendu de Cédric Doumbé et Jason Poney. Du très gros spectacle en perspective, on vous attend nombreux devant vos écrans puisque ce sera diffusé en direct sur Sport en France. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Mika, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. On sait que pendant les prépas, c'est un peu difficile. Donc merci à toi. Merci on à vous. vous souhaite le meilleur à toi et à Karl. Que non le meilleur non, gagne. Là, on, on prendra pas parti, mais que le meilleur a, gagne. Il y a forcément un DD qui sera déçu. <laughs> et je pense que ça sera lui le déçu. Mais <laughs> En tu tout peux... cas, c'est ce que j'allais demander. <laughs> ce le sera pono, un bel événement pour bah, le MMA français. j'annonce deuxième round. Extinction des feux pour Karl, deuxième round. <laughs> ok. Bon, et bien voilà, le temps est donné, rendez-vous le 8 décembre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités du MMA. Bonne semaine à tous. Bye bye.